Ben d'abord, on voulait remercier l'organisation qui a été parfaite. Et puis on a un sentiment, ça fait 20 ans qu'on fait ça malgré tout, ça fait un peu peur, mais c'est la réalité. Mais on a un sentiment très net de progression sur cette édition notamment, parce que vous avez très bien traité l'organisation et la promotion. Et voilà. Donc ça c'est très bien, ça nous a permis de nous concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, qui est l'aspect scientifique, pour ce qui nous concerne dans le genou. Je crois que c'est important qu'on puisse avoir ce niveau-là. Et c'est parce qu'il y a ce niveau-là, mais aussi la logistique derrière, qu'on peut avoir un succès comme ça aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Christian ? Alors moi, je dirais que c'est un très beau 1er avril. Ça fait longtemps que je n'avais pas vécu des blagues aussi brillantes. On a eu quelques petits problèmes informatiques, mais tout s'est bien passé. Une personne qui présentait un travail qui est tombée de sa chaise. Donc le 1er avril, dans toute sa splendeur, mais surtout des congressistes sérieux, appliqués, avec des interventions brillantes. Et puis j'ai eu de très bons retours et des échos de la salle de confrères qui sont venus de loin. Et tout le monde est très content. Et moi, je suis aussi content. Une petite pensée pour l'association Adrien, à qui on va reverser de l'argent suite à cette journée. C'est des enfants malades, cancéreux. Et on les aide aussi à travers ces interventions. Donc merci à toute l'équipe et à tous les intervenants. Et notamment à M. Corradi, qui a été brillant, comme toujours. Moi, je trouve que c'est un moyen et une exposition qui est relativement intéressante en tant que professionnel de santé, parce qu'on n'a pas l'occasion, dans son cabinet, d'aller voir les confrères, de partager des informations, de discuter, dans une atmosphère un petit peu décontractée, hors professionnelle. Et puis, tout un intérêt aussi par rapport aux différents intervenants sur ce qu'ils exposent. Ça permet aussi encore de partager, d'échanger. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, puisque en une seule journée, on arrive à toucher plusieurs centaines de personnes. Et puis, un petit mot du troisième organisateur qui vient d'arriver, qui est Azem Awazini. Sentiment sur la journée. Très belle réussite. Félicitations. Vraiment, Patrick, c'est formidable. Et on est prêt à recommencer, en tout cas, à pérenniser cet événement. Merci encore. Ça permet de réactualiser les connaissances, ça permet de faire passer les bons messages aux intervenants, ça permet d'échanger, on va le voir pour la suite. Mais c'est vrai que faire passer le message et discuter avec les gens, avoir des retours, etc., c'est assez essentiel, je pense. Oui. Alors non, cette journée, elle est très très enrichissante pour nous, pour plusieurs points. Et en tout cas, déjà sur le point de l'innovation, on a une médecine qui est en totale mouvance. La médecine du sport a initié des nouvelles techniques qui étaient des techniques qui n'étaient pas utilisées dans le système de fonctionnement habituel de la médecine française. Et c'est une médecine qui bouge, qui veut créer des choses. Et aujourd'hui, c'était la possibilité pour nous aussi d'échanger sur ces nouvelles techniques, de faire passer les messages aux gens qui sont des thérapeutes de terrain et pouvoir échanger avec eux. Moi, cette journée me permet d'échanger avec mes confrères médecins du sport. Moi, je fais beaucoup plus d'imagerie que, même si je suis des sportifs, que de médecine du sport. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'ils ont le retour sur terrain de ce que nous, on voit sur l'image. Et cette communication entre nous nous permet vraiment d'avancer et surtout des prises en charge globales sur les patients. Et c'est vrai que dans notre quotidien, on segmente alors que tout est lié et lié par l'intermédiaire du patient, et c'est là, ça nous permet d'avoir cette continuité dans nos présentations et dans les objectifs qu'on se fixe. Pour moi, ce genre de rencontre est le reflet du travail d'équipe qu'on peut avoir tous sur le terrain avec des gens d'horizons différents. On voit qu'il y a des médecins du sport, des confrères, des chirurgiens, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des préparateurs physiques. On a même parlé de prise en charge mentale, psychologique. Donc c'est vraiment le reflet du dynamisme de notre profession, de sa diversité et qui nous oblige, nous, à toujours nous remettre en question, que ce soit d'un point de vue thérapeutique avec les nouvelles technologies, que ce soit d'un point de vue de la remise en cause de nos protocoles. Et on apprend toujours quelque chose, quelle que soit notre provenance, on apprend toujours quelque chose dans ces rencontres.
Alors le fonctionnement cérébral, c'est un fonctionnement très intéressant. Et on a parlé aussi des aires qui font fonctionner notre système, en particulier le système limbique, qui fait fonctionner les aires de l'émotion et le fonctionnement lié au système nerveux végétatif et au fonctionnement du corps. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des domaines qui sont encore pas très explorés dans notre spécialité. Et je crois qu'il y a, un gros effort à faire dans la prise en charge psychologique et mentale, surtout mentale, du patient. À ce sujet, j'en ai un petit peu parlé. On avait été innovateur à l'AS Monaco avec le foot il y a quelques années, puisqu'on avait intégré dans notre staff médical un neuropsychologue qui était anglais et qui faisait des séances de thérapie systématiques à tous nos joueurs qui étaient blessés ou qui étaient en réhabilitation. Et on a, c'est vrai, obtenu des résultats qui étaient très intéressants sur la rapidité et la qualité de reprise sur le terrain avec cette prise en charge mentale. Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il essayait de déprogrammer les traumatismes des joueurs. C'est un joueur qui s'est fait une entorse, qui s'est fait une déchirure musculaire en pleine action. Il a vécu un traumatisme qui crée un blocage mental et qui va être un frein à sa réhabilitation. Et lui, il essayait, il nous disait, de désynthétiser par des techniques oculaires, de discussion, etc. Et c'est vrai qu'on a réussi à sortir certains joueurs qui étaient vraiment avec le frein, ou alors on a accéléré certaines reprises grâce à ces techniques. Donc on se rend compte qu'il va falloir intégrer la prise en charge des émotions, du vécu, l'aspect psychologique des pathologies dans tous nos staffs respectifs. En tout cas, c'est cet échange qui se met en place entre déjà nous thérapeutes, parce qu'on voit donc les communications des uns et des autres, on apprend énormément de choses, mais aussi l'échange qui se fait avec l'assistante. Et là aussi, on apprend aussi beaucoup de choses. Et je pense qu'on leur transmet également notre savoir, notre expertise en la matière. Donc non, c'est un échange fructueux. Et pour Patrice ? Je confirme ce que vient de dire Azem, un échange, une transmission aussi sûrement aux patients, qu'il y a différentes façons d'aborder des pathologies et qu'on est complémentaire et qu'on peut également agir au mieux au service du patient. Effectivement, là où je rejoins mes collègues, ça permet de montrer un certain savoir-faire à des spécialités qu'on ne rencontre pas tous les jours dans la vie courante et dans la vie professionnelle. Montrer ce qu'on sait faire, mais également apprendre des autres et puis rencontrer d'autres spécialités qui n'ont pas forcément le même point de vue que nous. Et on va dire permettre de faire des contacts intéressants pour une meilleure prise en charge du patient de manière plus globale. Cette poussée de recherche d'aller toujours plus loin, quand on prépare un événement tel celui-là, vraiment, il y a derrière un travail formidable. Je peux dire que pendant un mois, je n'ai pas arrêté de regarder des références, des articles, etc. J'ai appris moi-même beaucoup de choses. Ça m'a conforté dans ma pratique aussi quotidienne. Et effectivement, je peux transmettre aussi beaucoup de ce que j'ai appris. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes dans un domaine qui subit une espèce d'avancée permanente dans la recherche de solutions et de protocoles ? Oui, grâce aux techniques d'imagerie notamment, grâce à la maîtrise de ces techniques d'imagerie, on peut faire des traitements aux patients qui sont beaucoup plus précis, rigoureux, et forcément avec une efficacité à la clé. Donc le développement de la technologie, l'échographie, la radiographie, le scanner et l'IRM permettent de traiter les patients avec précision. Pour le moment, l'IRM ne sert pas à préciser des gestes, mais peut-être un jour permettra également de faire des axes sous IRM pour traiter les patients. Oui, effectivement, c'est un domaine qui est en constante mutation et puis en mutation très récente. Il y a les apports de l'imagerie, les apports de l'industrie qui développe beaucoup d'implants différents pour la chirurgie, mais également l'apport de la science pure, de la science de laboratoire, notamment l'INSERM à Paris, qui fait beaucoup de recherches de biomécanique. Et on s'aperçoit que là où avant, il y avait le chirurgien de son côté, il y avait le rééducateur de son côté, le médecin du sport de son côté. Chacun faisait, on va dire, sa petite sauce dans son coin.
Et maintenant, on est plus sur des concepts globaux de la colonne vertébrale. Il n'y a pas que la chirurgie, il y a tout ce qui va être l'isocinétisme, il va y avoir tout ce qui est rééducation axée, il va y avoir tout ce qui est prise en charge de la biomécanique. C'est vraiment un organe qui est central dans la place anatomique, mais qui est également central sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécialités différentes. Et ça, c'est très intéressant, c'est très enrichissant en plus de travailler avec des gens d'horizons complètement différents et pas, pour ma part, en tout cas, juste chirurgical. Il y a vraiment un horizon immense. Tout à fait. Il y a cette collaboration de proximité, vraiment de travailler avec donc un chirurgien du rachis, un neurochirurgien, un chirurgien du genou, un rhumatologue. Ça fait vraiment une complémentarité. Et souvent, je le dis à certains donc de mes camarades, j'ai un patient, j'appelle Florent, qu'est-ce que tu en penses ? Et il me donne son avis vraiment sur le champ. Et ça, c'est vraiment une avancée aussi. Donc, en conclusion, on peut dire que des journées, que ce type d'initiative permettent de repousser un petit peu plus le curseur de l'expertise de toute une profession. D'accord. Donc, ce soir, on aura augmenté le niveau. Très bien, merci, messieurs. Bonne fin de journée.